Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'impact des phytos sur les ressources. Pour le paysage, il faut savoir que l'agriculture occupe 55% du territoire national avec 27 millions d'hectares. Aujourd'hui, 70% de l'eau mondiale est consommée pour les usages agricoles et 61% des nappes phréatiques contiennent au moins un pesticide. Pour le sol, plus de 4,1 millions de tonnes de produits phytosanitaires sont utilisés chaque année dans le monde. 30 à 50% finissent à la surface du sol et se dispersent et 83% des sols agricoles contiennent un ou plusieurs résidus de pesticides. Donc ensuite, pour l'air, il y a 20% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'agriculture. La biodiversité a diminué de 60% en 40 ans à partir de 1970 et on l'a remarqué à cause de certaines pathologies que développent les animaux et des dysfonctionnements. Pour la santé, il est possible de développer des maladies telles que les maladies neurologiques, le cancer, les malformations et plein d'autres encore. Donc comme conclusion, les impacts des phytos sur les ressources sont multiples. Selon nous, il faudrait les diminuer, même les arrêter, car il y a de nombreuses solutions pour les remplacer. Et il y a beaucoup trop d'enjeux pour continuer.